Paragliding, of course, precision, and you must be quiet on your head and tonic, because it's a mix of all of that, and it's very different. But everyone's saying different things to me. Different things to me. En fait, ce qui se passe en vol et ski, donc en parapente, en ski, on décolle et on atterrit avec quelque chose qui glisse au bout des pieds. Ça peut être un ski, ça peut être des skis, ça peut être un surf. Et puis, entre le décollage et le point d'atterrissage, eh bien, il va falloir toucher un certain nombre de cibles. Des cibles verticales, ce sera par exemple des piquets de ski à rotule, type piquet de slalom. Il va falloir les toucher avec le corps ou avec le ski de telle manière à ce que le contrôleur de cet atelier voit que le bâton a bougé. Ou alors, il peut y avoir des cibles horizontales, et là, ça va être des cercles matérialisés dans la neige, et il va falloir faire ce qu'on appelle du touch and go. Je touche et je redécolle instantanément ou en glissant un petit peu après avoir fait la cible, en vue de redécoller, de revoler pour se resituer vers la cible suivante. Déco plus piquet, 25 au déco s'il est propre, 25 au piquet qui suit. Après, pour si jamais vous ratez votre déco, vous n'avez pas les 25 points et vous n'aurez pas le piquet sur le deuxième décollage. Vous redécollerez forcément ici. D'accord ? Vous ne décollez pas 10 mètres au-dessous. D'accord ? Ensuite, on tourne tout de suite à droite. Petit conseil, une fois que vous avez décollé, avant même d'être en l'air, commencez tout de suite à tourner, sinon vous ratez la première cible. Ça, c'est clair. Première cible, c'est un touch, d'accord ? Et une ligne à couper. Ensuite, vous avez les zones bosselées. Il y a 4 lignes. Vous devez passer les 4 lignes en glissant. The landing, you have a precision and sometimes precision and have to take off and go far away. It is not my point for that because every time I go precision but not take off again. Il faut toucher avec les skis, les pieds, la banderole. 100 points pour celle qui est en bas, 150 celle du milieu et 200 celle qui est en haut. Et ben, premier vol, pas génial parce qu'en fait, sur une bosse là-haut où on doit juste toucher avec les skis puis redécoller dans la foulée, je suis arrivé un peu trop bas, donc ben, voilà, on s'arrête, on réétale la voile comme on peut dans la pente, dans la poudreuse, avec des skieurs qui viennent filer un coup de main, ça c'est sympa. Et puis on décolle au ras des pistes, donc c'est fini pour les autres cibles à faire. Donc l'objectif c'est de marquer quelques points à l'atterrissage. Et puis voilà, 100 points sur 150 possibles, bah, on sauve les meubles. On sauve les meubles. Bah, en fait moi j'habite ici en fait, j'enseigne le ski à Flaine et je me suis mis au parapente l'année dernière, on m'a dit que c'était super sympa, alors je suis venu voir. Voilà, le petit volet ski, c'est sympa. Cette manche, je sais pas, j'ai dû en louper deux ou trois, je sais pas. Moi, je suis un peu, ouais, je suis encore novice en basse vitesse, alors. C'est plus le speed riding, mon truc. Alors après, j'ai relevé les mains comme ça. J'ai peur, alors du coup, je freinais, par exemple, ça fait... Et puis là, ça fait touch, on m'a dit, ouais, t'as gagné. Alors, je suis content comme ça. Ça va recommencer maintenant, hein. Ah ouais, j'ai fait l'amour avec et tout. C'était une grande aventure. Je pense qu'on est dans un phénomène de lombarde. Et c'est un vent qui est très turbulent et qui est involable en fait. Anarchique et dangereux. Donc là, c'est mieux d'aller skier.
Félix Rodriguez from Spain. My name is Matt Combs. I'm from Jackson Hole, Wyoming. I come from Japan, Seiko Fukuoka. All right, my name is Mike Steen. I'm from the best country in the world, that happens to be the United States of America. So we're here at FLIPA. It's really cool. It's my first year here on Tenerife with the Ozone team and everyone else. The organization is great. They have medical people. They have organizational people. Everything is very well planned out. They let us jump out of their military aircraft a couple times the last couple days. They have a beautiful paragliding site here. I wouldn't say it's the best for beginners, but for the acro pilots and the more advanced pilots, this place is awesome. We're taking off here, flying out into the clouds, ridge soaring a little bit, heading out over the beach, throwing down some tricks over the water, doing a base jump, coming in, landing on the beach, having some wonderful seafood and beer with friends. It's great. And FLIPA. Been flying like 18 years. I started to fly with 12 years because my father has a school of paragliders, so it's a family sport. And the paragliding is for me my life. Passion. People love it, and people respect people for the most part that share that passion. When you get comfortable, you kind of you're not as attentive. You got to have a bit of fear to some extent, but you can't be scared, if that makes any sense. If you're scared, you hesitate. You won't make the right moves if you're scared. So it's a catch 22 there. You know, you have to respect it. I'm thinking about other things than competition, because beautiful view, not very strong and very clean. Hi, Perico. Oh. 90% ぐらいの出来。Yeah, anybody I think flies must be a pretty decent person. You know, we share the same passion, same love, you know.